Ok. Bonjour. Est-ce qu'on est bien là? On va dire qu'on est pas mal. Et... Ah non, il manque le pchit. Comment tu vas? Hello, hello. Alors. C'est bon, normalement j'ai tout. J'ai le café, la barbotine, l'eau, la terre. Ça va bien, merci beaucoup. Oui. Ça va bien. Il y a du boulot. Il y a du boulot. On est des terres, il fait beau. Pompélope, tout va bien. Let's go. J'ai plein de anses à poser aujourd'hui. Beaucoup. Je suis pas certaine de pouvoir tout poser, mais bon, on va essayer. Alors le café, on va le mettre pas sur le chemin. Parce que sinon, on va le regretter. Je pense aujourd'hui ça va être un plutôt long stream, j'imagine. Le temps de poser le maximum de anses. Je sais pas trop combien de temps ça va prendre, mais on verra. J'ai tout préparé ce matin, j'ai réussi à tout tournaser ce matin, tout ce qu'on a fait hier là. Et j'ai réalisé d'ailleurs que j'avais pas. Que j'avais en fait, je sais pas, 8 ou 9 mugs qui étaient déjà prêts, donc j'en ai plus que prévu. Tant mieux d'ailleurs, parce que j'en ai cassé 2 ce matin. Donc si jamais j'en casse là au moment des anses, ou alors si jamais ça casse au séchage, normalement, il y a un peu de rab. Donc ça devrait le faire. Est-ce que ça va là la cam? Ça passe? Ça passe. À quel prix ce... Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Va falloir. En fait, on n'a pas encore déterminé tous les produits qu'elle a utilisés. Ça va être manifestement plus cher que la dernière fois. Parce que, bah, en fait, là, les matériaux qu'on a utilisés sont différents. La porcelaine, ça coûte 2 fois le prix du grès. Et on va certainement utiliser des couleurs. Là, demain, j'aurai le résultat des couleurs. Et du coup, avec les résultats, je pourrai passer commande. Mais donc, déjà, avec le matos qu'on va utiliser cette fois-ci, ça va prendre quand même pas mal. C'était combien la dernière fois? Je sais plus. 85 euros. Elles hésitaient à 85 euros la dernière fois. Coucou Star, comment tu vas? Et en fonction des illustrations de Kaevan, ça dépend de combien de temps ça lui prend. Aussi, ça va dépendre un peu de ce qu'elle souhaite faire aussi. Parce que du coup... Bon, je pense que vous voyez bien que le façonnage des pièces prend un certain temps. Mais du coup, le décor en prend tout autant, voire plus. Hé, coucou Manon, comment tu vas?
Ça va bien, Stark, merci. Je suis déter. Je suis déter là. Je suis déter. J'ai 24 mugs. Ouais, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est chouette. C'est chouette. Et puis. Enfin, du coup, ça permet pour Kay comme pour moi de faire des trucs qui nous changent un peu. Et de se mettre à fond pendant quelques semaines sur un truc, et c'est vraiment chouette. Là, j'ai 24 mugs. J'ai 24 mugs annoncés. Il y en a 3 que j'ai pas encore tournasés. Donc en tout, j'en ai même pas. En tout, j'en ai 27. J'en ai 27 ouais, en tout. Mais il y en a 3 que j'ai pas encore tournasés. Parce qu'ils étaient un peu trop secs en. Ouais, à partir de maintenant, Stark. Mais c'était un peu trop sec en haut, les mugs. Donc j'ai tenté. Je les ai mis. Je leur ai fait prendre un petit bain. Et là, ils sont sous plastique, etc. Pour essayer de les ramollir un peu. Mais bon, je suis pas certaine. Je sais pas trop. C'est un peu. C'est un peu du trust, mais je sais pas trop. Mais bon, déjà, là, j'en ai 24. Donc si j'en casse aucun. Ça veut dire que j'ai 44 mugs. Si j'en casse pas et que les 11 ne fissurent pas non plus. Donc on est pas mal. Je suis en cuisine là. Oh trop bien, bonne cuisine. Qu'est-ce que tu fais de beau? C'est vrai que c'est l'heure du repas. J'ai lancé un peu plus tôt, j'avoue. Mais j'avais fini de manger. Donc je me suis dit, plutôt que me tourner les pouces, on va y aller. Hein. Allez, let's go. Y a du boulot. La moyenne 5-6 ans par heure, ça va être long. Va falloir qu'on augmente cette moyenne, Stark. Il va falloir clairement qu'on augmente la moyenne. Non, mais c'est pas grave, après, si je fais pas tout aujourd'hui. Hein. Je me suis dit que j'aimerais bien faire la majorité aujourd'hui et puis le reste, je ferai demain matin. Il faudrait que ce soit fini demain matin. Coucou Zorion, comment ça va? Il faudrait que ce soit fini demain matin parce qu'ensuite, demain après-midi, il faut tourner. Je crois que c'est ça que j'ai noté. Mardi, tournage et anse. Mercredi, fin et anse si besoin. Et ensuite, tournage de pièces zigzag. Donc demain, il faut repasser sur le grès. Demain après-midi, donc il faut que la porcelaine soit finie. Et donc j'ai cet après-midi. Et puis demain... Demain pour finir. Demain matin. Plus demain matin, au pire, ça se fera plus vite. Comme c'est. Comme je le ferai hors stream. Je suis un peu plus rapide. Pas tant que ça, mais un peu plus. Biscuits, flocons d'avoine pour mes goûters. Oh, trop bien! Pour les lentilles, carottes, semoule, épices. Et je fais tremper les céréales pour la cuisine de demain. Ah ouais, tu prépares tout. Trop chouette. Bonne cuisine et bon appétit, surtout après. Hop. On dirait qu'on va être quand même à 5-6 par heure. Hey, coucou Nikita, ça fait longtemps, comment tu vas? Je pars un mois, je reviens, la meuf a un badge violet. Non mais what? Oui, t'as vu? J'espère que ça va bien, ça fait longtemps. Une petite antive pour le goûter. Mais let's go. J'ai pensé à vous parce que du coup, hier soir en ouvrant mon frigo, il y avait une antive qui me regardait. Donc j'ai pensé à vous. Hop. Et je vais mettre directement sous plastique parce que j'ai pas envie que les anses sèchent trop. Et la dernière fois, genre le live, c'était suffisant pour que les anses se mettent à craquer. Donc là, on va directement les mettre sous plastique. C'est moins joli. Mais bon. On est là pour que ça tienne, en fait. Mais pas là pour faire joli. Ok, une. On va les mettre là. J'ai pas de plastique. Attendez, faut du plastique. Chier. Pas un plastique fin.
Parfait, on va mettre ça. Coucou LA, comment tu vas? Hâte de voir la nouvelle collection avec Kevin. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un mug la dernière fois. Bah là on essaye d'en faire plus du coup. Là on essaye d'en faire un petit paquet. J'espère que tu vas bien. Et coucou Erikia, comment vas-tu? Ça va bien, merci Nikita. Oui, c'est les mugs pour Kai, c'est ça. C'est les mugs pour Kai. Ouais, ça craquelle au niveau des jointures, ça craquelle ici, surtout en haut. Parce qu'ici, du coup, c'est toujours relativement frais. Mais en haut, là, ça sèche plus vite. Et du coup, ça finit par craquer un petit peu. J'ai l'espoir d'en avoir un cette fois-ci. Ouais, là, on part sur... bon. Genre, là, j'en fais 40. Je fais un peu de rab. Au cas où il y a des pièces qui cassent. Et ensuite, on va essayer d'en faire 40. En décor aussi. Ça veut pas dire qu'il y en aura 40, mais on essaye de partir sur 40. Puis on sait même pas encore comment ça va être vraiment. Donc on va essayer d'en faire... de prendre un peu plus de temps pour en faire un peu plus. Comme ça, ça laisse un peu plus de chance. Et en plus, Nikita, voilà, il y en a 24 qui ont eu leur mug. Même 28. Donc peut-être que ça en fait peut-être 28 qui n'en veulent pas plus. Merci Sam pour le resub. Hello, comment tu vas? Merci beaucoup. Tu es un petit bol. J'espère que ça va bien. Et ouais, c'est ça Nikita. 28 personnes déjà satisfaites. Un peu moins, parce qu'il y en a qu'on avait pris 2. Il y en a qui ont réussi à en avoir 2. Genre même en passant des commandes séparées et tout. Il y en a qui étaient déter. Hein. Mais surtout là, je vais bien vérifier sur le site que ça se met bien à jour correctement. Pour qu'on se retrouve pas avec 4 commandes de plus que ce qu'on a fait. Parce que là, j'aurais pas de mug en porcelaine en rab au cas où. Il nous arrive ça. Faut que le site suive ce coup-ci. Bah, je crois, en fait, je m'étais. J'ai regardé et tout, du coup, je me suis un peu renseignée, tout ça. Et en fait, c'était la manière dont le site se mettait à jour. Ça marche, bon l'heure, Nikita. Bon appétit. C'était la manière dont le site se mettait à jour, en fait. Et dont les articles. Enfin, l'inventaire se mettait à jour. Qui était. Où, genre, ça passait. Ça se mettait à jour à réception du paiement. Pas forcément de la commande. Et du coup, bah avec genre avec s'il y en avait qui payaient avec PayPal ou quoi que ce soit, parfois ça prenait genre juste une seconde pour que le paiement soit reçu. Du coup, la commande était déjà validée, mais l'inventaire était mis à jour une seconde après. Et sauf qu'en fait, bah, pour certaines pièces, c'était trop tard cette seconde. Et du coup, il y a une autre commande qui pouvait passer en même temps. Merci Orangey pour le follow. Bienvenue à toi. Et coucou Gastek, comment vas-tu? Ouais, donc normalement, bon, j'ai pas eu de vente, de grosses ventes comme ça à Nikita, mais normalement, ça devrait être. J'ai changé du coup, et normalement, ça devrait être adapté. Et cette fois-ci, l'inventaire ne devrait pas faire de dinguerie. Du coup, moi aussi j'apprends, parce que je savais pas, j'ai jamais eu besoin de savoir ça.
N'hésitez pas si jamais vous avez des questions par rapport aux ans ou quoi que ce soit. Je suis focus, mais je me ferai un plaisir d'y répondre. Que je me mette des timers pour chaque once pour savoir combien de temps j'ai mis. C'est du speedrun ans aujourd'hui, mais 100% Stark, c'est du speedrun aujourd'hui. Il faut speedrun. Peu importe ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, on speedrun. Et coucou la Jump, comment tu vas? Cherche à optimiser le process, cherche à être efficace aujourd'hui. Ouais, complètement, 100%. 100% TAS. Là, on s'en fiche. Non, mais il faut. En vrai, il faudrait qu'il me reste le moins possible pour demain matin. Parce que du coup, j'ai beaucoup de boulot en fait. J'ai réalisé que mon mois d'avril était glitchless. Bon, en vrai, s'il y a des glitches, je les veux bien. J'avoue, je m'en fous. Hein. Il y a droit à tout, Stark. Mais je les connais pas. C'est le problème. Et une deuxième. En vrai, on a mis moins de 9 minutes pour celle-ci. Je suis vraiment en train de timer. Moins de 9 minutes pour la deuxième. Par contre, je vais devoir mettre du plastique aussi sur les anses parce que sinon elles vont trop sécher. Merde, pardon, je vous ai mis un coup de pied. Je suis désolée. Aïe, non, désolé Sam. Ok, un peu de café. Le café est autorisé. Troisième. Il y en a qui ont des formes un peu aléatoires. Coucou Paume, comment tu vas? Je viens me poser ici pour bosser. Bah c'est parfait, on est en mode speedrun Paume. On est en mode focus speedrun. Qu'est-ce que tu fais de beau? Et j'espère que ça va bien. Est-ce que tu es ready pour le lancement du Watt? Et coucou crème fraîche, comment ça va? Que de beau monde! Ça marche Manon, bon appétit! Ok, on va le cheat aussi. Je ne dors pas beaucoup. Ah merde, avec le stress, c'est le stress du Watt. Pourtant, toi, tu as géré. Je speedrun ma semaine aussi parce que j'ai posé la semaine pro pour me focus sur le Watt. Oh, c'est trop bien. Ça commence. C'est vendredi que ça commence, c'est ça? Ou pas du tout? Vendredi 20h, ok. Donc le thème, j'ai perdu le mot, le thème est annoncé vendredi à 20h et à partir de vendredi 20h, du coup, les participants peuvent commencer à streamer et faire leur truc.
leur truc. Quel enfer. Le watt ou la jump, c'est un concours de dessin, d'illustration qui est organisé par Paume et par une petite Marie sur Twitch. Et coucou bébé, comment tu vas? Ouais, les pots. Hâte qu'il voit le thème. Je me demandais, on en parlait chez Foki ce matin. Le thème, c'est Ava qui l'a décidé? Ou c'est genre toutes les trois avec Marie et Ava et tout, vous avez discuté, vous avez cherché le thème? Jamais fait de céramique de tournage, faudrait que j'essaye un jour, parce que c'est pas avec ma vieille argile que j'arrive à faire quelque chose. Parce que tu fais quoi? Tu fais de la... Tu fais... Mais attends, mais si tu travailles de l'argile, tu fais de la céramique? Non? Coucou Touk Touk, comment tu vas? Vive Léance, oui! Non, mais j'en ai déjà fait. C'est ma troisième sur 24. Tension. C'est Ava qui l'a décidé. Ok, trop bien. Oh là là, ça va être une. J'ai hâte. J'ai hâte de voir. Je me dis par contre, heureusement. Heureusement que je me suis pas inscrite, même en grand public ou quoi que ce soit. Parce que jamais j'aurais eu le temps de faire ça. Genre là, impossible. Mais j'ai trop hâte de voir tout le monde. Non, je suis. Oh, trop bien, prof d'art plastique. J'ai 50 kilos d'argile dans ma salle. Ah, oh, mais trop chouette, du coup, t'en fais avec. Genre avec les élèves et tout, ils en font. Mais let's go! J'arrive même pas à faire un pot. Avec du colombin. Au colombin, tu peux faire des pots. T'as tellement de choses à faire. Bah, avec la collection pour Kaevan qui arrive. Maison Passe. J'ai plein de pièces à faire pour le 10 mai. Donc c'est très très vite. Je me dis je vais mourir. Je vais pas m'en sortir. Et coucou Drame, bon appétit. Bonne pause déj. Une question à caractère stupide, pas du tout. Il arrive que les anses tombent après cuisson. Non. Non, 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 ça arrive que les anses fissurent après cuisson. Mais en tout cas, moi personnellement, ça n'est jamais arrivé que les anses tombent après cuisson. Si elles sont bien accrochées, elles tombent pas. Ça arrive qu'elles fissurent. Mais non, qu'elles tombent, non. 3 du watt. T'es inscrit bébé pour le watt? Bon courage en tout cas. Oui, mais ça va être chouette. Ça va être trop chouette. Bah, c'est tout comme toi. N'oublie pas de prendre une pause après ça. Au colombin crème fraîche, c'est des. En gros, c'est des petits boudins de terre. Tu vois par exemple ces vases là. Coucou Tarsier! Hop, ces vases, ils sont faits. Hop, on voit pas. Ah si. Ils sont faits au colombin. Ces pièces-là. Donc c'est du modelage, donc il n'y a pas besoin de tour pour ça. Et c'est des petits boudins de terre que je mets les uns sur les autres. Ensuite, je les écrase. Et ça fait des pots. Et comme ça, il n'y a pas besoin de tour pour faire de très jolis pots. Pas besoin d'avoir un tour pour faire ça. Et donc avec les 50 kilos d'argile, tu peux faire ça aise. Et c'est vachement plus accessible que d'avoir un tour, parce que c'est un matos qui coûte cher. Enfin, c'est du matériel qui coûte cher, oui, et qui peut. Et puis c'est vachement plus technique aussi. Sans four. Alors, sans... après, c'est un autre problème. C'est en effet un autre problème. Comment ça, je triche n'importe quoi? J'ai prévu de venir sur Paris début juin. Ah, trop chouette! Trop cool, pendant combien de temps? On peut faire d'immenses jarres avec. Bah, c'est ça. Bah, moi, quand je fais des grandes pièces. Bon, alors j'en fais plus trop, mais même au début, de toute façon, quand je faisais des grandes pièces, je faisais au colombin. Parce qu'en fait, j'avais pas du tout les capacités techniques de faire ça autour. Un colombin, bah, je crois aussi tarsier. Je l'ai appris. Parce que justement, je parlais de colombin, etc. J'ai appris que du coup, le colombin, c'était pour une technique de modelage. Et il y avait des gens, ils ricanaient. Les gens, ils gloussaient. Et donc, j'ai fini par comprendre que, en fait, c'était aussi un caca.
C'est pour ça que ça faisait rigoler les gens. Une jarre de 50 kilos, bah let's go, hein. Let's go. J'en ai une, je pense, elle pèse bien. Enfin non, avant cuisson, elle faisait un bon 12 kilos. Une belle bête. Le quinquin, ouais, exactement. On va faire plus simple, j'habite pas loin de Paris. Ah bah dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, c'est encore plus simple. Si t'habites pas loin de Paris, tu peux prendre des cours à Paris. Envie de passer 2 3 jours, envie d'aller voir les musées et tout. Oh mais oui, mais let's go! Mais let's go paume en fait. Ça fera du bien un peu de repos. Je reviens, je vais faire une syncope. Ok, ça marche. Je suis dans la vidéo des favoris du quoi? Du OWP de Paintable. Je connais pas, mais let's go syncope. Je connais pas, mais GG. Mais don't syncope, mais GG à toi, c'est quoi? Coucou Ori, comment tu vas? Inspire, expire, crème fraîche. Qu'est-ce que c'est? Inspire et expire. Ça va mieux? Chaque fois que je vais sur Paris, je me mange et j'ai pas le temps d'aller voir les musées. Bah, en vrai, les visites, le mieux. Qui écoute pas pendant les streams de Foki. Excuse-moi, je travaille pendant les streams de Foki, je suis désolée. Ah, le portrait challenge! Ok. Ah oui, le 1 week portrait. Ok. Non, mais c'est juste tout que moi, les lettres et tout, je connais pas. C'est bon, je connais. Oh, mais trop bien, crème fraîche! Mais let's go en fait! Ça va bien, merci Ori. Et coucou Averse, comment ça va? Expirez pas trop, ouais, la productivité ralentit un peu. Mais le niveau de stress, lui, diminue. Les acronymes, là, ah, c'est comme ça qu'on dit. Les lettres. J'ai un peu du mal avec les lettres. Excuse-moi, bébert, mais je ne te permets pas. Surtout qu'ici, tu peux pas me banner, fais attention. Ici, I got the power. Ah oh, mais c'est trop chouette. Et faut que je regarde, faut que je regarde. Faut que je regarde le compte Instagram de Paintable du coup. Et Bébert, tu fais pas le 1 week portrait challenge? J'ai dit report pas ban. Non, please don't report. En plus, il n'y a pas de boobs là, hein. J'ai fait attention. J'allais prendre mon café dans mes boobs, enfin dans mon mug boobs, et je ne l'ai pas fait. J'ai pris des montagnes à la place. c'est ici le speedrun des anses de tasse en porcelaine, pas wow. Exactement, Mélache, comment tu vas? Qu'est-ce que. Pardon, Drap, je me suis emportée. Ça va bien, merci. Je suis pleine d'énergie. Ok, on est au troisième là. Celle-ci est mise. 30 minutes, 3 onces. On est à 10 minutes. Bon, on est dans la merde pour en faire 24. Hein. Je voulais me lancer, mais avec le what, je sais que ça va pas le faire. Après, le 1 week, c'est cette semaine, non? Enfin, après, t'as peut-être pas le temps cette semaine non plus. Et le what, ça va pas être pendant tes vacances, Averse? Je sens que ça prend le café dans les boobs, bah ouais. Hein. À part la première étape du challenge, j'ai rien compris. L'étape suivante, c'est sur Insta, c'est incompréhensible, du coup tant pis. Du coup, t'es en train de dire, Weber, que t'as pas bien écouté Foki quand elle expliquait sur son stream. Je me permets hein, de te retourner la question. Même Touktouk qu'il a compris. En vrai, même moi, j'ai compris. Ah mais oui, le stage. Putain, j'avais oublié, c'est vrai le stage. C'est vrai le stage. J'étais aux toilettes. Je me suis mis du curry dans le nez. Allez, chais. Chais, drame. Bon courage, c'est pas très agréable.
Bébert est d'une fainéantise. Aïe, 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 aïe. En vrai, si même moi j'ai compris, c'est que c'est accessible. Hey, coucou Jess, comment tu vas? Non, ça a l'air chouette le One Week Poetry Challenge. Faut que je regarde les résultats. Averse, tu fais des portraits, toi? Il pensait à classe. Elle est classe tout que celle-ci. Hein? Elle est élégante. C'est élégant, ça, dis donc. J'ai de la polymère à faire, ça va être la maximère d'affaire tout ça. T'as de la polymère, t'as le watt, plus le stage. C'est vrai, je pense que vous pouvez aller sur le stream de Foki pour ajouter un point beauf. Du truc dans terre. J'ai pas mal traîné les portraits le mois dernier. Oh, j'ai jamais vu tes portraits. Arrête, touk touk, arrête. Tu t'enfonces, tu t'enfonces. Et d'ailleurs, tiens, Averse, je me demandais, parce que je voyais sur Insta et tout que tu parlais d'Etsy. Parce que tu vends sur Etsy, non? Et je voyais en ce moment, il y avait plein de bordel avec Etsy, là, qui allaient augmenter leur frais. Recrème, c'est bon, la syncope est finie. De frais. Paume, toi t'es pas sur Etsy, non? Toi t'as fait un site. Des sacs à merde, c'est tout. Ouais, je voyais ça, je voyais qu'il y avait pas mal de personnes qui repartageaient en ce moment justement avec pas mal d'artistes et tout qui voulaient faire une grève de vente, enfin qui voulaient fermer leur boutique pendant un temps. Genre une petite grève. Parce qu'ils étaient en train d'augmenter les frais comme n'importe quoi. Enfin, déjà que les frais d'Etsy, ils font peur. En tant qu'intolérante, l'accent de ton pseudo m'agresse. Tranquille, Drum, t'inquiète. Aucun effort fourni de la part de Bébert qui ne cherche pas à comprendre les consignes et abandonne à la moindre difficulté. Trimestre décevant, en effet. On avait un peu plus confiance. Il a de très bonnes capacités, mais ne l'aimait pas. Je sais pas parler. Très bonne capacité. Enfin, il se repose un peu sur ses acquis, quoi. C'est pas terrible. Ça dégoûte. C'est pas comme ça que tu vas avoir une mention. Ne les mets pas à profit. Joli, Jess. Joli. Du 11 au 18. Ah bah c'est cette semaine, alors. On n'est pas le 11 aujourd'hui. On est même le 12. Ok. Oui, c'est cette semaine, alors. Ça, moi, je l'ai fermé, je vais pas la rouvrir avant un temps parce que les frais, c'est ahurissant. Et t'avais regardé sur d'autres sites si c'était plus avantageux. Parce que je me souviens que j'avais commencé au début à mettre sur Etsy. Je pense que j'ai vendu genre 4 trucs sur Etsy. Et après, j'ai vite arrêté. Parce que j'avais l'impression qu'on prenait tout mon argent. Enfin, le peu que je gagnais. Genre, faut payer pour mettre les fiches. Et ensuite, ils te prennent des frais sur les frais de port et tout. Enfin, je me disais, mais en fait, je paye plus que je n'en gagne à l'aide. J'ai si peu de temps pour moi. Ouais, c'est ça. Il y a un truc, facilité entre guillemets avec Etsy. Où il y a moins de trucs à gérer, quoi. Coucou Impression, coucou Jean-Sèvres, comment tu vas? Let's go, le speedrun, de ouf. Enfin, pour le moment, on speedrun pas grand-chose, mais on essaye, quoi. D'autres projets sur le feu, dont un dessin sur lequel je bosse depuis longtemps pour un ami. Et le drosis de la patronne. Oh, grave, il faut que je le fasse. J'aimerais bien faire un mug avec le drosis de la patronne. Mon boulot qui recommence soon, laissez-moi respirer. T'inquiète, 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 t'inquiète. Respire, bébé. Mais oui, j'ai trop bien. J'ai hâte de voir ton drosis alors.
Et coucou sa cachette, t'as dû payer des frais pour la création. Ouais, j'ai payé des frais pour le. Enfin, j'ai payé parce que j'ai pris genre le truc pour vendre, pour pouvoir vendre. Je crois, genre, tu peux faire un site Wix gratuitement. Ou après Wix, en fait, j'en ai testé plusieurs et je sais pas, j'ai pris ce qui m'allait le mieux. Parce que clairement, je suis pas web designer. Et ensuite, genre, je paye par an, par année. Je paye par année. Je paye par année. Et ensuite, bah, il y a évidemment, du coup, quand je vends, c'est pas Wix qui récupère la thune directement. C'est genre via PayPal ou alors via Stripe pour récupérer les sous. Et du coup, bah, eux, enfin, Wix ne prend pas de frais là-dessus. Mais par contre, bah, PayPal, il y a des frais PayPal. Stripe, il y a des frais Stripe. Enfin, comme tous les trucs, quoi. Je savais pas qu'il y avait des frais pour être sur la plateforme, logique d'en avoir finalement. Ça se comprend totalement s'il y a cette grève. Je pensais que tu parlais des frais d'envoi. Non, non, il y a des. Jess, il y a des frais. Genre, quand tu veux mettre en ligne une fiche produit, il y a des frais de mise en ligne. Quand tu veux la. Et les frais de mise en ligne, c'est genre tous les. Enfin, je sais pas, je crois que une fiche produit, elle est mise en ligne pour, je sais pas, 3 mois ou quelque chose comme ça. Et ensuite, tu les remets en ligne. Et ensuite, quand sur les ventes, t'as des frais de transaction. Non, bon, il y a des trucs, c'est normal. Il y a des frais de transaction. Et ils prennent aussi ils taxent aussi sur les frais de port. Ce que je suis en mode, what? Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des frais de partout sur Etsy. C'est des petits frais, mais au final, tu les mets un à un et ça finit par faire beaucoup. Ce sont des frais minimes, ouais. Pour Stripe, c'est entre 2% et PayPal, c'est pareil. C'est pas, mais de toute façon, tu peux pas le faire aller. Et taxes de frais de port. Non mais le truc de taxes sur les frais de port, ça me trouve le cul. Je me dis, c'est pas possible, tous les 3 mois les fiches produits. Donc en gros, quand tu veux remettre en ligne tes fiches produits, tu dois repayer aussi. Et en soi, si t'as. Enfin, si tu vends que des pièces uniques, etc., ça finit par faire beaucoup chaque fois que tu mets. Oui, il y a des frais partout, Jess. Il y a des frais partout. Pour ça, j'étais pas restée parce que j'étais en mode, mais en fait, il y a des frais partout. Et si tu vends beaucoup, beaucoup, je pense que tu dois pouvoir tu trouves un peu ton compte. Mais ensuite, je sais pas. Sac à chèque, toi, t'as ton site? Je me souviens plus. Ou t'es sur Etsy aussi? Je sais que Kay, elle est sur Etsy. Il y a un truc qu'on paye pas aujourd'hui. L'amour. Non, c'est faux en plus. C'est faux. C'est une très bonne question, Tuktuk. Que de chi en vrai. Que de chi. Mais bon, quand même, les frais de port SVP. J'ai fait un WordPress, ok. WordPress, ça me faisait peur. Je me souviens que j'avais regardé, j'étais en mode it's too scary. I leave. Du coup, c'est pareil, t'as les trucs de paiement. Enfin, pour recevoir des paiements type Stripe, PayPal, etc. Au début, j'avais juste la carte, mais j'ai vite rajouté PayPal. Parce que bah, moi-même, en fait, quand j'achète, je préfère pouvoir. L'amour, ça se paye. Bah non, mais au final, tu payes toujours des trucs. Par amour. Enfin, ça dépend. Genre un petit verre et tout. Pff, tu dépenses de la thune partout en fait, c'est terrible. Sur une créa payée 10 balles, il y a 5,5 € qui me reviennent. Ah ouais, d'accord, faut pas pousser mes pierres dans les pétunias. Putain, quand les gens payent 10 € et tu récupères 5. Ouais, entre les frais de port et tous les frais. Putain, ça fait mal. Fais pas les stripes en frais, sinon c'est tout, je crois. Ouais, bah c'est ça. Après, du coup, j'ai les frais Wix par an. Je sais plus combien c'est. En soi, c'est peut-être 200 € ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y avait un truc genre la première année, c'était moins cher. Et ensuite, je crois que c'est genre 200 € par an, quelque chose comme ça. Et coucou Runilian, comment tu vas? Et coucou Bozeyou. Plein de mugs, yes, plein de mugs. On est sur la quatrième anse.
Oui, il est sur Wix, mon site. Pourquoi? Ton site. T'as un site Poseidon? Je me souviens plus. Ça coûte cher internet, ça coûte cher internet. Ah, t'en as un sur Wix aussi. Ouais, bah, j'en avais regardé plusieurs et avec mes non-capacités en web design, etc., tout le bordel, j'étais en mode ok, let's go. Bon appétit, Touk Touk. Ma meilleure crêpe jambon fromage œuf actuellement. Et ben bon appétit. J'ai bouffé des pâtes avec des courgettes, c'était bon. Le bonheur, ça coûte cher. Exactement, bébé. Le bonheur, ça coûte. Ça coûte une place. Du coup, je note qu'on peut vendre dessus. Tu fais ce qu'il faut. Ah, bah oui, tu peux vendre dessus. C'est pour ça que j'avais pris. Ouais, tu peux. Fortiste WordPress. Non, Wix, c'est vachement bien. Non, mais WordPress, je comprenais rien. Mais Wix, ouais, tu peux. Je crois qu'il faut que tu payes. Bah, du coup, je sais pas, peut-être que tu l'as gratuit si tu vends pas dessus. Mais genre, il faut que tu prennes un abonnement, enfin un truc en mode business ou je sais pas quoi, pour pouvoir faire une boutique, etc. Une boutique. Coucou Octa, comment ça va? Comme on dit au taf que pour remonter l'espace, c'est 30K l'année. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est gratos pour moi. Ouais, bah oui. Oui, du coup, c'est ça. De toute manière, on vit dans une société, je dis ça, je dis rien. 100%, c'est terrible. Mais oui, je sais plus combien. Je pense que c'est genre 200 euros, 200, 250 par an que je paye pour le site, la boutique et ensuite les frais que j'ai sur les ventes. Mais au moins, j'ai pas de frais sur. Enfin, si, j'ai des frais sur les frais de port parce que c'est tout en un, mais. Ça me fait mal quoi. Coucou Gichun, comment ça va? Je te vois apporter une clé USB 100%, ramène-leur une clé USB en fait. Mais c'est trop cher tous ces trucs. En termes de frais, c'est plus rentable qu'un Estie, non? Bah. En soi, oui, je pense. En fait, ça, je pense que ça dépend de combien tu vends. Mais j'en sais rien, Boseyou. Si, parce qu'en soi, de toute façon, les frais de transaction, j'aurai les mêmes sur Etsy. Enfin, je pense que c'est à peu près les mêmes. C'est kiff-kiff. Et sauf que bah, il n'y a pas les frais de la plateforme en plus. Genre peut-être que sur Etsy au final ça me coûterait plus de 200 euros par an juste avec les frais de la plateforme. Peut-être 300, 200, 300, ah, je sais pas dans ces eaux-là quoi. Ça me coûterait sans doute plus que ça. Hors frais de transaction sur les ventes, etc. Et puis comme du coup, bah, je voulais pouvoir avoir un site aussi pour... Prenez ça, faites des dons. Non, mais je voulais pouvoir avoir un site aussi pour genre mettre mes carreaux, les vases, etc. Enfin, pour avoir autre chose. Et coucou Moon! J'ai des soucis avec mon compte, t'inquiète, y'a pas de soucis, ça va bien et toi? Émile? Émile Zola? Ok, bébé. Attends, j'ai oublié ce que j'ai dit donc j'ai plus de ref. En gros, là, t'as les frais pour pouvoir vendre. En gros, puis les frais sur chaque vente. Et ben, j'ai environ 250 euros, enfin, par an. J'y pep. J'ai environ 250 euros par an. Et ensuite, genre, si je veux mettre en vente n'importe quoi, enfin, je fais ce que je veux. Et ensuite, sur chaque vente, j'ai. T'as dit dans ces eaux-là. Ok, GG. Oh, merci Moon pour le sub. Merci beaucoup. Merci pour le sub, pour le follow. Merci à toi. Et ensuite, j'ai, bah, je sais pas, c'est environ entre 2 et 3%
par vente, mais ça c'est pas Wix qui le prend, c'est PayPal ou c'est Stripe. En gros, est-ce que j'ai là-dessus là? Je sais plus combien ils prennent PayPal. Je sais qu'ils se font plaisir PayPal. Ils se font plaisir. Attends, je peux regarder. Genre sur une commande. Faut juste que je me souvienne de. Ah non, je peux pas parce qu'il va me demander un SMS. Ah, dans mes mails, peut-être que je peux dans mes mails. J'essaie de trouver. Merci Locala pour le follow. Bienvenue à toi. Et coucou Zaeld. Merci Madame le producteur. Attends, mais j'essaye de te chercher. Je suis perdue quoi? C'est quoi ce badge? Partenaire augmente le nombre de badges first. Eh? Quoi? C'est moi qui suis perdue. C'est moi qui suis perdue. Je vous ai perdu. Attends, j'essaye de trouver. Du coup, j'ai envie de savoir. Je veux savoir. Live de 12h. Je l'avais pas avant le badge first. Ah bon? Je savais pas ça. Mais oui! Ok, d'accord. Je viens de comprendre. Si je... Ah oui, c'est vrai. Ah bon? Le partenaire, ça augmente le nombre de badge first qu'on peut avoir? Genre, c'est plus les 10 premiers? Je savais pas ça. Ouais, non, mais on va être là pendant quelques heures, je vous le dis. Hein. Mais je veux trouver. Ok. Et donc ça. Ah mais ils me mettent pas les frais. Bon, c'est de la merde, PayPal, c'est nul. Elle a compris. Oui, c'est bon, j'ai compris, ok. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Du coup, les 10 premiers, c'est pas de faire si on est 10e. J'ai rien compris, je suis perdue. Attendez, je me remets dans les anses. Je me remets dans les anses. Mais je savais pas, mais du coup, il y a combien de badge first une fois que vous êtes, une fois qu'il y a ses partenaires? Les frais, c'est nul tout court, c'est ça. Les frais, c'est nul. Voilà. Et puis les frais, genre quand ils prennent PayPal ou quoi que ce soit, 25. Ça passe à 25. C'est ce que Toutouk a dit, ok. Si j'étais pas. Ok. C'est bon. J'ai compris. Merci Zahel, merci Toutouk pour la compréhension. Ah, mais du coup, je comprends alors. Je comprends beaucoup de choses. Je comprends plus de choses là. Je me sens moins teubée. Il y a 25. Il y a une quatrième personne pour me dire que c'est 25? On va perdre l'ODM. Non, mais c'est vrai, je suis partie dans les frais, du coup, je suis perdue. Entre les frais et Léonce, vraiment, je suis. 25. Merci, Bébert. Merci, Boseyou. Du coup, c'est 25, c'est ça? Ça marche, c'est 25. Ça va bien, merci, Octa. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'était comme clé? Mais genre, en plus, Boseyou, tu vois, ils prennent les frais, là. Les fous. Ils prennent les frais, mais ils prennent les frais sur. C'est entre 24 et 26. C'est 25, c'est ça? Il y a un pigeon qui m'a terrorisé. Bah, chez Drum, chez. Voilà. Même que d'abord. I love you. Je vais jamais réussir à dire ce que je voulais dire. Les first, c'est. Qu'est-ce qu'elle a mis? 25? Non, moi je pense que c'est l'autre.
Bon, pas besoin de toute façon de pressure les rôles. Je sais pas ce que je voulais dire. Putain, qu'est-ce que je voulais dire? Les frais PayPal et tout, en plus, ils prennent sur tout l'argent que tu reçois. Mais du coup, ça prend en compte les frais de port aussi. Donc en vrai, à chaque fois, je me fais douiller sur les frais de port. Là, je crois que c'est ça que je voulais dire. Et je crois que je viens de bouffer de la porcelaine surtout. Votez bien. Attention, ne vous trompez pas. Bon abdrum. Et du coup, je comprends parce que hier, qu'il y a eu, et t'es venu en mode oh, mais j'ai un badge first. Et ouais, je comprends. Tu veux savoir qui y a comme gros douilleur en frais? Vas-y, fais-moi rêver vos ayous. C'est vrai, Patreon? Je sais. Ils te prennent quoi comme frais? Coucou, Oro. Il y a une erreur dans le poll. Ah merde, c'est vrai. Merci, Drem. Merci beaucoup. Je te ferai un petit repas à base de porcelaine, t'inquiète. C'est savoureux la porcelaine? Non, c'est un peu dégueulasse. Enfin, je sais pas, c'est un petit bout de terreux, quoi. De là à dire que c'est dégueulasse, mais je sais pas, mais. Mais je crois que j'en ai bouffé un peu. Avec le café. T'inquiète, bébère, on a compris que c'était 25. Elle se corrigera la prochaine fois. Drum n'a pas encore mangé, donc elle est un peu fatiguée. TVA pour les abonnés en plus du tarif que je mets. Ensuite, si j'en ai. Mais si, j'ai à manger. Bon app. Moi, bon app. Putain, oh non, j'ai tapé le mug. Ok. J'en peux plus. Je pensais que tu partais avec tu partais manger pour les potins ou je sais pas quoi. Attends, du coup, TVA pour les abonnés en plus du tarif que je mets, ensuite ils enlèvent 15% sur ce que je gagne, puis ensuite il y a 1€ en moins sur la transaction de Patreon à PayPal. Oh là là, mais quel enfer! Non, mais vous moquez pas s'il vous plaît en fait là, ça dégoûte. Super. Coucou mon couchi, on la perd. Je crois que. Mais je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut que je sois un peu. Genre que je sois un peu du père pour pouvoir poser les anses en toute naïve. Enfin, voilà, en étant un peu innocente de ce qui se passe autour de moi. Ça rend la pose plus douce. Parce que du coup, on papote, mais. Quatre mugs, c'est terrible. Oh là, j'étais à 10 minutes par once là, ou même moins, et là j'ai tout perdu. Là j'ai vraiment perdu tout mon score. C'est éclaté hein. Ouais, exactement Stark. Pour faire les ans, il faut débrancher le cerveau, mais pas trop pour pouvoir quand même pas faire n'importe quoi et pas le regretter. C'est pas très speedrun. Bah, si on fait 5 ans en une heure, c'est éclaté. Mais ça passe. J'aime bien voir la pose des hanches, c'est vrai? Tu aimes me voir souffrir? Elle est large cette hanche. Hein. Non, ça passe. Non, mais c'est chouette si ça vous plaît quand même un peu la pose des hanches. Parce que je me dis, bon, c'est boring, je fais la même chose quoi. J'ai mis la main sur le Didi. Mais même moi, j'avoue, je le fais pas drum parce que je sais pas comment faire. Ça a l'air sympa à faire. Ah ouais, ok. Il est fou. Mais t'es pas un... Ben, on a essayé Tuk-tuk. Mais en fait, comme je lance depuis mon téléphone, Discord a jamais l'air de vraiment comprendre que je suis en live. Du coup, il met pas l'annonce. Coucou Pline, comment tu vas? J'espère juste que vous les vendrez plus vite que vous les fabriquez. Ben, j'espère aussi. On verra. Les ans avec aisance. Tu passes en hors ligne direct. Ah ouais, ok. Ah sérieux, là par exemple, il me dit que je suis en hors ligne. Du coup, on est obligé de le faire en manuel. Mais comme moi, je suis un peu teubée, je sais pas trop faire. Donc s'il n'y a pas d'annonce, c'est qu'il n'y a aucune de mes douces modos qui est passée. Coucou Yoda, comment tu vas? Oh,
Oh, elle est gigantesque cette anse. Du coup, ça prévient une heure après le live. Aïe aïe aïe. Drum, ça dégoûte. Non, mais je mets sur Insta au moins, c'est pas mal. Excusez-moi, pardon. Désolée. Désolée, Trump. Oui, ça va bien, Yaoda. On est. Je tente un speedrun. J'avais du curry sur les nez. Pardon, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire de curry. Ah oui, c'est vrai que du coup, t'avais mangé parce que t'avais du curry sur le nez. Je comprends. Et coucou Cynthia, comment ça va? T'inquiète, Touk Touk, le niveau d'humour est relativement bas. Et elle est en effet gigantesque. Toi, tu préviens, mais en retard. Il y en a qui préviennent pas du tout. C'est pas moi que tu regardes comme ça, Pline, j'espère. Hein. Ok, ça, on éponge là, on adoucit. En vrai, vous imaginez ces petits mugs là, avec des petites dilues de caillé. Donne, hé, hey, pas touche drum, nid, pas touche, oust, ok, let's go, et on arrive à 6 en vrai, vous savez quoi, on attaque le 6ème, ça fait moins d'une heure, moi je pense qu'on est chaud là, on est bouillant, envoie mug, tu veux que je t'envoie un mug? Je suis à deux doigts de récupérer un mug cassé et de l'envoyer sur le téléphone, sauf que je vais le regretter. Assurément. Faudrait que j'aie une plaque de verre ici pour pouvoir le balancer dessus. Ah, c'est vrai, j'ai un mug. Non, mais j'ai pas envie de le jeter, le pauvre. Ça fait plaisir de vous retrouver. Trop bien. Du coup, je vais t'écouter faire des pots en posant mon plateau de jeu en feutrine. Oh, trop chouette. Enfin, bonne couture à toi. Bonne couture à toi, Pline. Ça fait plaisir de te voir dans le chat. Envoie mug au sens 63-86. Encore et toujours le bully de mug ici. Non, mais j'ai eu deux échecs ce matin. Il y en a un, je l'ai délicatement mis sur le côté du coup. Et l'autre, je l'ai écrasé. Et il y a encore 3 chances, dont 3 potentiels échecs. Toute excuse est bonne pour casser des pots. Ouais, j'ai trop envie de. Je sais pas, quand il fait soleil comme ça me donne envie d'éclater des pots. Coucou Pépé! Pardon. Je suis heureuse de te voir. Comment tu vas? Merci pour le resub, pour les 3 mois. Oh, wesh Pépé, tu es un petit mug. Oh là 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 là, comment t'es shiny là! Comment tu vas, Pépé? Toi aussi, tu vas rencontrer les mugs les plus chauds de ta région? Envoie Marcus au 72-30. Et coucou, Mash! Ça va bien, merci, Pépé, ça fait plaisir de te voir ici. 3 mois! Insane! À quand le live éclatage de peau? En vrai, Ah ouais, non, continue de procrastiner, Pépé. Tu es fou! Tu es fou de vouloir aller au sport, ça pas du tout. En vrai, à tout moment, si vous voulez, pendant le live, on se fait une petite pause, je prends un seau et on éclate des pots au marteau. Mais ça risque de faire mal aux oreilles. J'ai pas la petite tasse en badge maintenant, j'ai first. Mais tu peux l'enlever ça, Mash, en vrai. Tu peux choisir quel badge mettre. Si tu veux avoir un mug à la place d'un first. Non, oui. J'en ai besoin. Je dois me faire violence. Quoi? Ah, pour le sport? Non. Non, 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 Pépé. Non, non, c'est des. Non. Pas du tout. C'est faux.
Il ne me propose que first. Quoi? Non, normalement, dans l'identité de discussion, ça doit partir. J'ai pas la proposition chez toi. Je suis juste, pardon. Les pauvres peaux. Mais oui, mais... Bébert, t'as pas envie de voir un marteau? Et je sais pas. C'est dans le compte maintenant? Hein, ok. Isn't she lovely? Coucou costeuse, comment tu vas? Est-ce que ça va mieux? C'est quand les tasses Kaidem? Et ben, ça c'est les tasses Kaidem, pépé. Là, les tasses que je suis en train de faire, là, c'est les... Coucou Carlito. Pour le moment, on est en personne very bas. Mais on y croit. C'est les tasses que je suis en train de finir, là, du coup, c'est pour Kaivan. J'en ai... Là, c'est la sixième. Ça veut dire qu'il en reste encore 18 à oncer. J'en ai 20 qui sont prêtes. Maintenant que tu le dis, ça fait bien 3 ans que j'ai pas vu un marteau en vrai. Tiens, bébé. Tiens, un marteau. Il est beau. En vrai, par contre, mon marteau, il est trop beau. J'espère que c'est parce qu'elle les réserve toutes pour moi. Bien sûr, pèlerine, bien sûr. Bien sûr. On dirait, il est trop beau mon marteau, non? Eh ben, écoutez, il faut savoir que j'ai écrit mon nom là-dessus. Parce que je l'ai volé, ce marteau. Enfin, je l'ai volé. Je l'ai pas volé, mais genre... Bah, il y avait personne qui le réclamait comme étant le sien. Donc j'ai mis mon nom dessus. Coucou la Garfieldette, comment tu vas? Bravo, merci. C'était à mon école, il y avait ce marteau qui traînait et genre, il est beau. Emprunté. Je l'ai emprunté et je l'ai nommé comme étant le mien. Genre, il est beau, il est trop beau. Et personne, on était en mode, il est à qui ce marteau? Personne disait, il est à moi et tout. Donc j'étais en mode, ok, Lauriane, il est à moi. Et du coup, je l'ai ramené. Voilà. En vrai, ça va, juste la gorge sèche, les nez qui coulent, prévenant de symptômes en même temps, juste un test positif. Oh, courage, costeuse. En vrai, ça va, si t'as déjà pas trop de symptômes, c'est bien. Il était à personne, donc j'ai mis mon nom. Sur toutes les voitures du parking. En vrai, essaye, ça cachette peut-être. Hein. Mais avant, demande si elles sont à quelqu'un. Moi, j'ai demandé si elles étaient à quelqu'un. Oui, c'est ça, les meilleurs marteaux sont ceux de trouver. Et il est trop beau, du coup. À partir du moment où tu mets ton nom dessus, c'est à toi. Peu près. Mais il faut savoir, dans la vie, les choses que je préfère, je te demande à voix basse, les choses auxquelles je tiens le plus, genre, ont été volées par moi ou un proche, mais involontairement. Merde, du coup, je dis ça pendant un raid. Bonjour le raid, voilà mon marteau. Coucou Pilo, comment tu vas? Merci beaucoup pour le raid. Au secours. Merci pour le raid, bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Bienvenue sur le stream de marteau. Coucou Mint, comment vas-tu? Coucou Maggie, bonjour à tous. Le DM est obligé de mettre son nom sur toutes ses affaires dans son ancien atelier, tellement les colocataires lui volaient son matos. Mais celui-ci, il date de l'école. Ça commence avec un marteau. Bonjour, ici on fait de la poterie. En vrai, on pose des anses. Mais j'ai montré mon beau marteau. Bonjour Salsa, comment vas-tu? Comment allez-vous? Bienvenue à tous sur un, je l'espérais, speedrun de Hans qui est en fait complètement raté parce que je sens qu'on speedrun qui a rien du tout. Coucou Pilo, comment tu vas? Coucou Astro. Hello hello, bizarre l'ambiance, quoi? C'est le sien qu'elle a reçu de manière complètement légale, bien sûr, absolument. Comment ça va Astro? Incroyable ce marteau, il est beau hein, il est beau le marteau. Genre. En vrai, on sent que c'est un vrai beau marteau. C'est pas un marteau cheap et tout. Il pèse ton poids. Même, vous savez quoi? C'est un bon marteau. Parce que quand mon père est venu faire des travaux dans mon atelier, qui m'a demandé si j'avais un marteau, ben quand je lui ai donné ce marteau, il a fait « Oh, waouh! Il est beau ton marteau !» Et voilà. Du coup, il a été approuvé. Du coup, bonjour. Je suis potière, c'est l'ODEM. Si jamais vous ne connaissez pas, vous pouvez faire point d'exclamation Insta ou Shop pour pouvoir voir mon travail. Et actuellement, on pose des petites anses
sur des mugs qui vont être décorés par Kaevan. On dessinait une sirène snob et une crevette maillot avec des poissons pourris. Eh ben, bon appétit, Pilo, surtout. J'espère que c'était pas ton repas. Mais trop chouette, merci encore pour le raid, c'est trop gentil. J'espère que t'as passé un bon live. Et coucou Sempak! Mon père n'a jamais approuvé mon marteau, tu peux être fier de toi. Merci beaucoup, Saka. J'espère que ton père approuvera ton marteau un jour. Je sais que le chemin est long et sinueux, mais ça viendra. Tout viendra, t'as point à qui s'est martelé. Sondage, le speedrun est à. J'ai pas envie de voir. Ah, quand même, 11,39%, 90%, et vous êtes pas mal, hein? Ah, non, le 0,10% remonte. Genre, sous. Merde. C'est maintenant un marteau qui va se transmettre de potière à potière. Ah, mais 100%! Go l'appeler Nathalie. Non, Nathalie Marteau. Et merci, c'est Toyo pour le follow. Ta boutique est trop jolie, merci Pilo, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Bah, sur Insta, je mets vraiment beaucoup de trucs. Bon, sur ma boutique, il y a les produits finis un peu plus jolis, quoi. Sur Insta, je spam beaucoup trop. Genre là, en ce moment, même, je fais des vidéos quand j'arrive à l'atelier et tout, en story. Enfin, sur Insta, je suis une grosse spammeuse, c'est terrible. Et merci Pilo, merci Elbod. Et merci TradeSkills pour vos follows, merci beaucoup. J'ai follow en Tsum Tsum hors live, cette chaîne. En plus, mais j'avais pas encore eu l'occasion de te voir en action. Et ben voilà. Tu peux voir en live. Ah oui, quand même, vous avez un peu confiance en moi. Merci, c'est gentil. Vous mettez pas du tout. En vrai, on est sur le sixième, hein. Genre, ça va, j'en ai 24 à faire. Putain, il est 1h10. Enfin non, ça fait 1h10. Oh, trop bien, la Garfield Dead! Trop chouette. Il faut que j'emballe des trucs aussi ce soir. J'ai deux ou trois commandes à envoyer. Oh, merci Léon, c'est trop gentil. J'adore ton Insta, le fait que tu spams me ravit. Bah, j'avoue, j'aime bien spam. Mais faut pas hésiter à me dire stop. Ça veut pas dire que j'arrêterai d'ailleurs. Mais j'aime bien. Je me disais que peut-être je pouvais. J'ai réfléchi à tous ces trucs de genre TikTok. Faut faire TikTok, apparemment, c'est bien TikTok. Mais je me disais que peut-être mes vidéos que je mets en story, les petites vidéos et tout, je pouvais faire en mode rapide sur TikTok aussi. Peut-être, peut-être. Je suis censée dessiner, mais j'ai toujours pas commencé. Il faut que je finisse mon setup pour mon premier live vendredi. Oh, trop chouette, Maggie, trop bien. Bon courage pour le dessin. Il est trop trop cool. I don't understand French, but I feel work. Thank you so much, Red Skills. Thank you so much. If you have any questions, don't hesitate. I'll do my best to answer. And there's no problem in speaking English. Coucou Dunwad. Oui, c'est ça, c'est les mugs d'hier. C'est les mugs d'hier que j'ai tournasé aujourd'hui. Donc j'ai retravaillé le cul des pièces. Hop, et là l'extérieur. Et là, on pose les anses. Pardon, Mash, pardon. Ça sent le Watt. Oh, tu vas streamer pour le Watt, mec. Et Astro, tu t'es inscrit pour le Watt aussi, non? Je me souviens t'avoir entendu dire ça. C'est quoi cette histoire de speedrun? Eh ben, c'est que j'ai 24 anses à poser. Et il faut que je le fasse. I'm still trying to get a putter on my trade show. I've only had one. Oh, that's nice. That's really nice. Don't know where are you from. I only know putters in France. Oui, le Watt Moon. Le Watt. Tu vas faire le Watt Moon aussi? Ça va être catastrophique, mais au moins, ça sera dans la bonne humeur. C'est le plus important. J'ai vu hier, il y a 172 streamers, streameuses. Surtout Bozeyu, je sais pas si tu connais, mais je sais que dans les streamers qui font le Watt, il y a un mec qui s'est inscrit, qui fait de l'illustration, qui fait souvent genre d'illustration autour du sport, etc. Et relativement insane ce qu'il fait. Relativement insane, je te conseille d'aller checker. Il faut de l'ancienneté que j'ai pas pour le Watt. Ah merde, après tu peux le faire en
Grand public. Putain. Bonne journée, pèlerine. Bon courage pour le sport. You can do it. Bon courage. Je fais pas le web, je surveille. Ah, c'est vrai, tu surveilles. Tu fais partie de la team surveillant. I live in Nashville. I interview skilled people and drink beer with them. I like the second part. The second part is nice. Merci, Drum, pour l'hydratation. Le watt d'une watt, c'est un concours d'art, de dessin surtout, qui est organisé par une petite Marie et Paume, et qui va, où en gros, à la base, c'était pour les streamers, mais maintenant, c'est aussi ouvert au grand public. Et où, en gros, il y a un thème qui va être donné vendredi à 20h, si j'ai pas déjà oublié ce que Paume m'a dit il y a une heure, qui va être donné par Avamind, cette année, qui est la marraine de l'événement. Et en gros, ensuite, il y a une semaine pour faire une illustration sur ce thème. Et donc, tous les streamers qui se sont inscrits pour le Watt, donc apparemment 172, 173, sont obligés de streamer, je crois, au moins 80% du process. Donc, ça va être à fond les streams art la semaine prochaine. Coucou Junirion, comment ça va? Et coucou Guigui, comment ça va? Par contre, c'est pas 24 ans, mais 24 ans. Prononcé pour donner son âge. Putain, en plus, c'est vrai quoi, bébé. Ça marche les deux. Bon, avec plaisir, Bozeyou. C'est vrai, si jamais vous connaissez pas Bozeyou, n'hésitez pas à cliquer sur son pseudo et checker son travail. Je vais encore passer un week-end sur Twitch, mais pas seulement un week-end, du coup, une semaine entière. Et il y a vraiment des streamers de talent qui vont faire ça. Et du coup, bah, maintenant, cette année, c'est aussi ouvert au grand public. Et donc on va avoir encore plus de participation insane. Et donc, Bozeyou, qui est dans le chat actuellement, va participer à l'event. Et ça devrait être chouette. Ton âge détermine le nombre de 11 que tu dois poser par jour. Ben putain, merde, je vais arrêter de poser des 11 alors. Mais dans ma tête, j'ai à peine 12 ans coaster. Je passe un coup de pompe pour envoyer des cœurs. Bon, c'est gentil, Guigui, j'espère que tu vas bien. Mon truc sur le stream, c'est plutôt le microscope. Alors, le dessin, j'ai peur que ça pue. Bon, on s'en fiche, en vrai, c'est trop chouette. Du coup, que tu participes, ça te fait un petit challenge même pour toi. Même moi, pour le Watt, c'est pareil. Bon, là, je pense que je pourrais pas. Enfin, je pense pas que j'aurais le temps de faire une illu ou quoi que ce soit. Mais je me disais que si jamais, de toute façon, j'étais inspirée par le thème, rien ne m'empêchait de faire un truc sur le thème du Watt. Ok, je suis pas inscrite, donc je peux pas participer. Enfin, il y a le concours, du coup il y a des gains aussi, il y a des trucs à gagner. Mais bon, c'est pas forcément ce que je recherchais. Mais de toute façon, rien n'empêche de juste participer pour participer, quoi. Et je crois, Maggie, que oui, dans les participations en streamer, enfin à partir du moment où tu as les critères, les participations en tant que streamer, il n'y a pas de limite de place, etc. Donc oui, fais-toi kiffer. Oui, je verrai si j'ai le temps. Mais toi aussi, Averse, tu participes. Ah, on a aussi Averse qui fait des dingueries et qui participe. En vrai, il n'y a que du beau monde qui participe. Donc ça va être chouette à suivre sur Twitch, la semaine pro. Hop. Et 6. J'ai découvert ton taf hier. Mais oui, le taf de Averse est trop 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 bien. Holy shit. Bonjour Cabri, merci pour le raid. Bonjour à tous. Damn. Le double raid, ça fait beaucoup là. Bonjour le raid, bonjour à toi, bonjour Orange. Comment tu vas, Cabri? Qu'est-ce que vous faisiez? Cela va chatouiller le live. Alors, on ne chatouille pas, mais tranquille. Bonjour à tous. Ça va être dilemme entre polymère et dessin. Dessin sur polymère.
Orange SFR orange. Aïe. Orange SFR orange. Ok, ça marche. Bonjour Laurette, bonjour, bonjour. Et coucou petit pardon. Coucou Cabri, on était sur de la réparation de PC portable et de console. Oh là là. Que des trucs dont je ne comprends absolument que dalle. Mais coucou, merci beaucoup pour Laurette. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue si dans mon atelier. Où je fais de la poterie, parce que je suis potière. Putain, vous êtes beaucoup quand même. Shit. Et je suis potière. Je suis potière, je fais de la poterie là, Cabri. Là, je suis en train de poser des anses. J'ai répété le mot poterie et potière au moins 20 fois. Je suis en train de poser des anses du coup sur des mugs que j'ai tournés hier. Et qui sont des mugs que je vais décorer en collaboration avec Kaevan. Je sais pas si Coaster t'as pas un petit lien pour Kaevan par hasard. Si jamais vous connaissez pas son taf qui est extraordinaire. Et donc là, cet après-midi, on va poser les anses sur toutes les pièces. Du coup, pour passer de ça à ceci. Hop. Et si jamais vous voulez checker un petit peu mon travail, parce que moi aussi, je fais beaucoup d'illustrations sur mes pièces de type, hop, des mugs comme ça. N'hésitez pas à aller checker sur Instagram ou sur mon site. Vous pouvez faire point d'exclamation Insta ou point d'exclamation Shop, comme Coaster a fait. Où je mets pas mal de vidéos, etc. aussi, où j'essaye de montrer un petit peu l'envers du métier. Potière de métier, oui c'est ça, toi. Je fais de la poterie depuis 3 ans environ. Et depuis bien un an et demi, je suis complètement potière à plein temps. Je donne des cours aussi. Et je fais ma production. Ils ont l'air hyper généreux tes mugs. Bah là, ils réduisent un petit peu. Est-ce que j'ai un mug? J'ai pas de mug là sous la main. Mais ça réduit vachement. En fait, c'est toujours fourbe. C'est toujours très fourbe parce qu'on a l'impression de faire un truc qui est gigantesque. Et en fait, après cuisson, il a une taille. Ils ont une taille correcte. Ils ont une taille normale de mug classique. Merci Aptura. Oui, c'est relativement incroyable. C'est relativement incroyable. C'est une sacrée chance. Est-ce que tu sais s'il y a des personnes qui font de la mosaïque? Pas du tout. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui connaissent des streamers qui font de la mosaïque sur Twitch? Je connais pas du tout. Peut-être. Peut-être, ce serait chouette. Là, je pense qu'ils font... Je crois qu'ils font... ils font combien? 400 millilitres? 350, 400 millilitres? Je sais que généralement, mes mugs font un petit peu plus qu'un mug classique. Ils ont l'air de faire la même taille, voire parfois un peu plus petit. Mais en fait, comme ils sont plus fins... Bah du coup ils ont plus de volume qu'un mug, genre que le mug, le cylindre basique qu'on achète chez Ikea quoi. Ils cachent bien leur jeu. Et en banane 4,5 plin, 4,5. ou c'est les grands, merde je sais plus, je sais jamais. Je m'en souviendrai jamais plin. Je vais faire les calculs un jour. Et du coup, n'hésitez pas si jamais vous avez des petites questions sur la poterie, etc. Il n'y a pas de questions bêtes. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Hop. Merci Docteur Angelus pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Pas de questions bêtes, que des gens cons. C'est gentil ça, Coaster. C'est quoi cette expression? C'est la première fois que j'entends. Coaster, j'ai l'impression que depuis que t'as fait un test positif, t'es un petit peu vénère quand même, hein. Ça fait ressortir ce qu'il y a de plus sombre en toi. C'est Valentin qui me l'a soufflé à l'oreille. Ah bah il est gentil Valentin. Super. Et bonjour Valentin. Merde, c'est quoi ça? Ah, ça. J'ai cru que ça cassait.
Bah super Valentin, ça dégoûte. Moi ouais, on est d'accord Maja, hein. Je trouve qu'elle parle mal, hein. Elle parle mal la costeuse. Hein. N'empêche, vous savez quoi, pour le moment, je prends du plaisir à poser séance. Je tiens à le dire. Ça doit être frustrant de remanier quelque chose de lisse et de plus en moins parfait pour remettre de la matière dessus et réessayer de nouveau d'avoir un truc parfait. Bah là, généralement, tu vois, au début, c'est un peu moche et en fait, ensuite, ça vient se lisser relativement facilement, juste avec une éponge. Donc, j'arrive à récupérer ça. Et même une fois que c'est un petit peu plus sec, je viens relisser avec un petit peu d'eau. Et comme ça me permet d'avoir quelque chose de tout doux. Mais au moins, j'ai toujours la majorité de la pièce qui est encore bien propre. Mais on voit des reels sur Instagram, pas souvent drôles, même un sexy ce matin. Ah ouais, sympa! D'habitude, c'est pas une étape que t'aimes bien. En fait, c'est une étape qui est longue. C'est une étape qui est très longue, Léon. Parce que. Bah en fait, c'est un peu redondant. Il faut faire attention, il faut le faire bien. Tu vois, je passe environ 10 minutes à poser chaque anse. Et pfff. Je crois que j'ai les oreilles qui sifflent. Non mais. Pour le moment. Pour le moment. Mais c'est parce que, en vrai, enfin, prenez pas la grosse tête, mais c'est parce qu'avec de la bonne compagnie, ça passe un peu mieux, quoi. Et comme vous êtes relativement tous de la bonne compagnie, sauf un, évidemment, bah ça passe, en vrai. C'est les becs de la dernière fois qui t'ont définitivement changé. Oh, m'en parlez pas. Je pensais qu'il fallait que j'en fasse 5. J'avais noté 5. Et j'ai appris hier qu'il faut que j'en fasse 10 en fait. Donc il faut que je refasse encore 5 pichets. Je pensais avoir pris de l'avance et en fait, pas du tout. Merci Pitchounette pour le follow. Je suis en lurk. Bon lurk à toi. Bon courage pour le taf, petit pardon. Ça y est, j'ai le melon. Ouais, j'imagine, Zaël. C'est moi le 1, elle me l'a déjà dit. Quoi? Je n'ai jamais dit ça, Tarsier. C'est toi qui dis que je suis méchante. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, c'est pour ça, demain, il faut que je retourne des pièces zigzag. Parce que j'ai les petites tasses à café qu'on avait fait. Bah celle-ci là. Hop, celle-ci, il faut que j'en fasse une dizaine. Il faut que je fasse les tasses. Hop. Celle-ci, il faut que j'en fasse 5. Il faut que je fasse 5 pichets et il faut que je fasse 2 pieds de lampe. Donc demain après-midi, il faut qu'on tourne. Donc il faut que j'ai fini les anses avant demain après-midi. Et on est à 7. Let's go en fait! Il saigne? Ouais, je vais mettre ça comme ça. Donc il n'y a pas qu'un méchant, les deux. Ah bah super, vous êtes mignons tous les deux. Non, c'est là-dedans. On peut faire la même. Non, 8, 12 on peut. 12 on peut. Ça se tente en vrai. De quoi? D'être méchant? Ou de faire tout aujourd'hui? Quand t'accroches des trucs en pâte polymère à verse, tu dois aussi genre venir rajouter un peu d'eau ou truc comme ça? Ou ça se fixe bien tout seul? Oui aussi.
Amen, comment tu vas? Ça fait longtemps, quelles sont les nouvelles? Ben, on est toujours sur des anses, hein, en fait, hein. Chaque jour, chaque jour, c'est des anses. Non, écoute, ça va très bien, ça va bien. J'avance sur la collection de mugs pour Kaivan, qui du coup arrive bientôt à sa fin. Enfin, on s'en sort. Là, c'est le dernier round. Dernière pause de anse, et ensuite on est bon. J'espère que toi, tu vas bien. De l'alcool pour lier et retirer. Ah, ok, avec de l'alcool? Ah, je savais pas. Ouais, avec Kayvan, ben, comme on a fait en novembre dernier. C'était en novembre, ouais, c'était ça, c'était novembre. Comme on a fait en novembre dernier, mais là du coup on part sur une deuxième collection. Oh, c'est gentil, merci Ramen. Ouais, on part sur une deuxième collection, du coup elle devrait venir dans une semaine. Normalement, elle arrive dans une semaine à peu près. Faut qu'on revérifie bien les dates. Donc elle arrive dans une semaine. Et pour faire les décors, etc. Je pense qu'on va se prendre à peu près 2 semaines. Parce qu'ensuite, je crois qu'elle a une convention d'ailleurs, donc il faut que ce soit fini avant. Et à la fin de nos 2 semaines, on fait tout cuire et on met en vente. Et ensuite, c'est y part. Coucou Sweetie, comment tu vas? J'avoue que des fois, flemme par exemple, là sur mon arbre, je retire les démarcations des grosses branches, mais celles des plus petites, c'est trop fragile, donc je vais mettre mes fleurs de sakura par-dessus. Oh, trop bien, tu vas mettre des fleurs de sakura! Comme ça, ni vu ni connu que je t'embrouille. Non, mais en plus, du coup, s'il y a des petites démarcations, ça fait des petites lignes, ça fait de la texture. L'alcool, ça marche mieux que de l'eau. L'alcool est désinfecté. Après, tu mets un petit peu de gin, ça peut pas faire de mal, non? Le nombre de pièces qu'on va pouvoir faire, et eh ben écoute, là, j'essaye de faire 40 mugs et ensuite on verra combien carrés arrive à en décorer. Que du love pour toi et ton quinoa. Sois gentil avec ton quinoa. En plus, je crois que la boîte, elle est presque vide. C'est ça, bien sûr, c'est pour la texture. Évidemment, c'est pour les écorces, tout ça. Tout ça, tout ça. Tu connais, tu connais. Cas, j'ai l'impression que ça se passe mieux que la dernière fois à l'Alliance. Je sais pas, la semaine dernière, j'en pouvais plus. C'était n'importe quoi. Petit coup de whisky, ouais, bien sûr, complètement. C'est parfait pour lisser les démarcations. Puis l'autre moitié des mugs, là, j'ai utilisé de la terre recyclée pour faire les anses et j'espère que je vais pas le regretter. J'ai la sensation que je vais le regretter. Une réunion des alcooliques anonymes. Non, mais c'est pour lisser les démarcations, Chouiti, voyons, évidemment. Entre deux branches. Bien sûr. C'est pour lisser les démarcations pour de la pâte de l'argile polymère, c'est ça? Petit coup en route pour la tisse, bien sûr. Tout le carburant, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un petit peu pour le tronc, un petit peu pour soi. Non, mais je savais pas du tout. Ce qui est parfois utilisé en céramique, c'est genre du vinaigre pour. Même des fois, il y en a qui font de la barbotine du coup. Bah, je vous avais parlé de la barbotine papier, où du coup, on met pour de la cellulose, on prend du PQ. Et aussi du vinaigre, parce que du coup, le vinaigre, il va avoir un effet quoi. Enfin, il va un peu aider à coaguler les deux trucs ensemble. Ça donne quelle différence d'utiliser de la terre recyclée? Non, c'est pas plus fragile, mais. Pour le grès, il n'y a pas de problème, mais pour la porcelaine, j'ai un peu du mal à recycler la porcelaine correctement. Et du coup, parfois, elle a des petits grains, etc. Donc, c'était un peu difficile d'avoir quelque chose de lisse. Donc, j'espère que ça ne me posera pas de problème après. Et donc, parfois, en fait, une fois qu'elle est cuite, si quand elle est cuite, elle est bien, il n'y a pas de problème.
Mais c'est juste, je sais pas vraiment si elle va se fissurer ou quoi que ce soit, parce que j'avais l'impression qu'elle perdait un peu de sa plasticité qui est déjà très faible. Donc je sais pas trop, on verra. J'espère que ça ira, parce que sinon ça va faire beaucoup moins de mucs que prévu. Je pense que ça ira, au pire il faudra juste que je ponce un petit peu pour lisser. Mais si c'est que ça, c'est pas trop un problème. Mais du coup là, pour pas me casser la tête, j'ai pris de la porcelaine fraîche hors du paquet. Ok. Et 8 en fait. Aïe aïe aïe. Je vous jure que j'ai de la porcelaine sur le visage, je sens. Aïe 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 aïe. J'en ai 24 petits pardons à faire. Oui, quand même. Donc 8, bon. C'est bien, hein, c'est le début, hein. J'en ai 24 et il y en a 3 que j'ai pas encore tournasé, donc j'ai pas encore retravaillé le bas. Donc ça fait 1 moins 25. Et 25, est-ce que ce serait pas le nombre de badges fondateurs qu'on peut avoir une fois qu'on est partenaire? Non, du coup j'en ai 3 de plus après si jamais à tournaser et hanser. Je sais pas combien j'ai fait de hanse. Merde, non, pars pas. J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai encore 21 anses, donc j'ai fait le stock. Enfin, j'ai fait plus de anses que prévu. Histoire d'être tranquille. Pourquoi je les couvre, les mugs, je les couvre pour que ça sèche pas trop. Parce qu'en fait, si, quand ça sèche, ça se rétracte. Et du coup, si jamais le corps de la pièce se rétracte plus vite que la anse, ou inversement, ça va se fissurer au niveau du joint là. Donc je les couvre pour que ça sèche lentement. Donc je vais les laisser sécher en étant couvert sous plastique. Comme ça va vraiment sécher tout doucement. Et donc ça va limiter les problèmes de fissure. Et les anses que j'ai à côté aussi, elles sont couvertes pour qu'elles sèchent pas trop, pour que je puisse les appliquer quand elles sont encore relativement fraîches. Et pareil pour les mugs qui sont à côté. Coucou Balchouk, comment tu vas? En fait, ça fait partie des difficultés quand on a besoin de garnir une pièce, donc de rajouter un élément sur une pièce, c'est qu'il faut vraiment faire attention au taux de séchage de la pièce et de ce qu'on va poser dessus. Là, rien n'est cuit. Non, non, rien n'est cuit. Les pièces ont été. Tu vois, là, les mugs, je les ai tournés hier. Je les ai tournés hier et puis je les retravaille aujourd'hui. Et puis, même hier, avant de partir de l'atelier, je les ai couverts de plastique pour pas qu'ils sèchent trop vite. Parce que sinon, ils auraient été complètement secs. Même d'ailleurs, ceux qui étaient vraiment sur le côté, sur l'extrémité du plastique, ils ont séché un petit peu plus. Et donc, ils étaient trop secs. Donc, là, c'est pour ça que j'en ai encore 3 qui sont pas tournasés. Parce que je les ai remis dans. Enfin, c'est pas très orthodoxe de faire ça, hein. Mais je les ai trempés dans de l'eau et je les ai remis. Et je les ai mis sous plastique pour essayer
de réhydrater un petit peu les pièces et qu'elles soient pas trop sèches. Je tente, parce que de toute façon, au pire, j'ai rien à perdre. Mais donc, si elles sont trop sèches, en fait, je peux pas poser les lances. Coucou, Crum Crum, comment tu vas? Après cuisson, ça rétrécit, oui. Ça rétrécit au séchage et ça rétrécit après cuisson. Et coucou, Mad la zone, comment ça va? Écoute, pas mal la forme, oui, ça va. Coucou, Hibiscus, j'avais pas vu le début du live. J'ai commencé un peu plus tôt, j'avoue. Merci beaucoup, merci. On est, c'est la neuvième... c'est le neuvième mug, celui-ci. Tu peux nous montrer que rien n'est cuit? Non. Je... Non. Enfin, si. Tiens, regarde. Tadam! Et coucou, c'est Triana. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci Crum. C'est pas drôle là, tu préfères celui-ci? C'est mieux? OMG, mais stop! Coucou Baccara! Si vous avez des réclamations à faire, c'est auprès de Sam. Pardon, mais on m'a demandé, moi je m'oublie. Hein. Attendez, du coup j'ai des trucs à ajouter. Ça va? Vous allez bien? Vous passez un bon moment? C'est chouette la poterie. Si ça peut vous rassurer, ce mug n'avait pas passé le... Oui, je peux les recycler. Oui, oui. Si ça peut vous rassurer, ce mug n'avait pas passé le... l'étape du tournasage. Je l'avais considéré comme raté. Donc il aurait fini comme ça dans tous les cas. Sam, je te jure, tu n'es responsable de rien. Ne t'inquiète pas. Ça fait peur ce que tu fais. Pardon. Tu as la mort de ce petit pot sur la conscience. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Attendez, par contre, il y a un morceau là, du coup. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il allait finir à la casse dans tous les cas. Puis je sentais que vous aviez envie de voir un truc se casser quand même. Heureusement, Bébert a pas vu ça. Je me serais fait engueuler. Plutôt sa cachette. Après, j'ai du mal à recycler la porcelaine. Pour le moment, j'y arrive pas. Faut que je me renseigne encore un peu. J'arrive pas à la recycler. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à la retourner après. Elle perd toute sa plasticité et du coup, elle se casse et tout. Enfin, ça va pas du tout. J'ai pas un... Je sais pas vraiment si ça se voit là-dessus, mais en fait si, un peu, on voit. Genre elle se déchire comme ça, alors qu'elle est une balle. Alors qu'avec ça, bah vous voyez, ça se déchire pas de la même manière, ça s'étire un peu. Là, ça se déchire vraiment. Quand j'essaye de pétrir ça... Vous voyez, elle se casse comme ça, elle se fissure. Là. Et du coup, ça, je peux pas tourner avec ça. Enfin, le problème, c'est que ça risque de se casser encore. Ça va se casser encore quand je tourne. Donc, je sais pas encore comment je peux faire. Enfin, je dois avoir... Il y a sans doute des produits que je peux utiliser pour rajouter de la plasticité. Donc il faut que je me renseigne un petit peu là-dessus parce que bah parce que du coup je peux pas vraiment enfin je peux pas j'en ai pas mal à recycler. Je peux pas vraiment la réutiliser. Non, c'est pas un manque d'eau ou la jump.
C'est plus malléable, ouais, ça perd un peu. Déjà que c'est très peu plastique la porcelaine, ça perd un peu tout. C'est le truc que personne n'avoue ici, notre part de sadisme. Aime te voir casser des trucs autant que tu aimes les casser. Ah, voilà. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui l'avoue. Coucou Toran, comment tu vas? Mais donc il faut que j'arrive à trouver. Après, je dois pouvoir l'utiliser au modelage. Mais en tout cas, pour tourner, j'ai un peu du mal. Donc, je sais pas trop encore. Mais sinon, oui, c'est complètement recyclable. Le grès que j'utilise, je le recycle et là, il n'y a pas de problème. Je l'avoue parce qu'en tant que modeleuse, je ne casse jamais mes pièces. Parfois, j'ai envie d'être tourneuse de mon cours. Tu tournes pas du tout, Hibiscus? Ça marche, Maj, des bisous. Bon stream. Bon stream, bon stream. Tu vas sur WoW? Ou tu vas sur autre chose? Bah écoute, ça va plutôt bien, toi. On est des terres, on est là. Tente de continuer un max les plus dur. Ça marche, et ben bon live à toi. Coucou boule piquée, comment tu vas? Ça marche. Reste furtif. C'est gentil de passer dire bonjour. Par contre, c'est nul là, il est en train de commencer à faire gris alors qu'il faisait grand beau et du coup, ça veut dire qu'il fait moche dans l'atelier. Et je vais perdre toute ma motivation. Hein. Rendez-moi le soleil en fait. WoW Retail, Chrome et Alliance. C'était trop fun le catch coaster. C'était trop chouette. J'ai bien aimé. C'est pas un soleil, mais il est presque pareil. Merci, merci Boseyou, c'est gentil. Je promets de ne plus casser de mug. Alors, je promets de ne plus en casser volontairement. Petit pardon. Je vais péter un câble, le sixième rocher de mon île veut pas spawn. Quoi? Est-ce que t'es sur Animal Crossing et y a pas le sixième. Y a pas le sixième rocher? Y a six rochers? Il y a six rochers? Je me souviens plus. Comme je vais recevoir ma commande, mieux vaut éviter le lave-vaisselle où ça passe. Il n'y a aucun problème pour le lave-vaisselle. Aucun problème pour le lave-vaisselle. Tout à l'heure, tu as prononcé un mot que j'ai déjà entendu, mais je ne connais pas la signification. C'est quoi une conscience? Tu m'as perdu, Chrome. C'est quoi ton sondage encore? Ah, c'est un sondage Horde versus Alliance. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai des soleils à envoyer. Mais oui, non, mais là, il fait grand beau en plus. Oh, c'est le smiley soleil. Enfin, non, là, il fait moche. Mais je te jure, coaster, il faisait grand beau. Enfin, moi, en tout cas, il faisait un grand soleil quand je suis arrivée ce matin et à midi aussi. C'était chouette. A priori, ça va pas durer. Il n'y a pas de je joue pas ou fou. C'est vrai, il n'y a pas de je m'en fous. Ça vient de Grenoble cette expression. Grand beau? Non? Mais Yannou. Oh, c'est beau, Pline. Il fait grand beau. Pourquoi c'est bizarre, grand beau? Chez moi, il fait toujours grand beau. Je suis un peu inquiète parce qu'à 22 degrés, mon petit chien commence déjà à avoir un peu trop chaud. Aïe aïe aïe! Oh putain, c'est un petit chien de l'hiver alors.
Attendez, mais vous dites pas du tout grand beau? Il y a que moi qui dis grand beau. Enfin, genre, comme si je disais, il fait grand soleil, il fait grand beau. Non? Je connais pas grand beau. Si, je dis aussi. En Normandie, on dit grand beau. Ok, donc je suis pas toute seule. Prochain sondage. Est-ce que vous dites grand beau? Ils disent vrai beau, mais à Toulouse, on dit soleil. Oui, bah non, mais vous êtes pas très original, le coaster. Il fait soleil, oui, bah c'est partout. Je dis, il fait très beau, j'avais jamais entendu grand beau. Je dis pas perso, mais je connais ça. Non, ça vient pas de Grenoble, je crois pas. Ça me dit rien. Un petit chien écossais, méga fluffy. Ah oui, donc il a un gros manteau. Je suis neutre en métal classique, mais pour le reste, on sera pas du même bord. Ah oui, tu es quand même un petit hors d'eux. Taquet pour les fous. Taquet, c'est pour dire qu'il fait soleil aussi. Enfin, je connais au taquet, mais être au taquet, c'est pas la même chose, c'est pas le beau temps, quoi. Tu parlais d'âme et de conscience. Mais je suis bourrée ou pas? Genre. Qui est venu mettre de l'alcool dans mes verres? Parce que je me souviens pas avoir dit ça. On a un problème. Il fait taquet beau. Ah oui, taquet, ok. Oui, taquet comme il filtrait. Toulouse, on dit il fait soleil ou il fait taquet beau. Bah, c'est, il fait... Ouais, c'est comme grand beau en gros. Non, je sais pas, je dis grand beau. Enfin, je sais pas ce que je dis. C'est moi qui avais dit, je sais plus qui. Il avait la mort de ton petit pot sur la conscience. Ok, donc c'est ça. L'alcool au bout, c'est pas bien. Mais je vous jure, il n'y a pas d'alcool. C'était que du café et du lait. Avec un peu de sucre et un verre d'eau. Et du coup, tu l'avais lu tout haut. Tout haut. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça. C'était une histoire de petit pot cassé. Oh, je suis du père. Fatiguée. Je l'avais donc laissé là, ma bouteille. Je suis désolée, Averse, je l'ai fini. Oh mon Dieu. C'est donc pour ça qu'Averse n'a pas pu lisser les démarcations. Oui, bah pardon. T'inquiète, Sam, tout va bien. Ouais, c'est peut-être le lait d'avoine. Ils ont peut-être changé la compo du lait d'avoine. Ça boit sans s'en rendre compte. Ouais, ça se boit comme du petit lait. Ah, c'est terrible. Et en plus, après, il faut que je fasse deux ou trois commandes, je sais plus. Donc, si jamais vous avez passé une commande que je dois emballer cet après-midi, a priori, peut-être que vous allez pas recevoir ce que vous avez demandé, je vais me perdre. Vous dites, il fait... Les all of you above. Bah, du coup, je vais dire grand beau pour être raccord. C'est cool, c'est pour ça que tu es si chouette. C'est la Toulouse vibe. C'est bon, costeuse et contente. Elle a du Toulouse vibe. En vrai, costeuse, un jour j'irai à Toulouse. Ça a l'air chouette comme endroit quand même. Tu me feras visiter. Il pleut pas. Bon, écoutez, il pleut pas, c'est pas mal, hein. C'est nul, on peut pas mettre plusieurs réponses. Ouais, je suis d'accord, Pline, je suis d'accord. C'est pour ça, on part sur le grand beau, histoire de lui donner un petit peu de force. Parce que c'est vrai que je pense que je dis tout. Je me rends pas trop compte de ce que je dis. Tu mérites une petite insulte. Toute petite alors, Stark, hein, parce que j'ai l'impression que ça m'a déjà un peu... Un peu pris tarif là avec le sacrifice de peau.
Donc quand même, il faut rester gentil, hein. Bah ouais, là il fait tout gris, Jess. Enfin, en tout cas, à Paris, il fait tout gris, je suis dégoûtée. Je pensais qu'il allait continuer à faire beau comme hier. Qu'on allait avoir du 25 degrés, grand soleil toute la semaine. Et en fait, il se trouve que peut-être pas. Hé, coucou Kams! Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup, merci pour le resub. Putain, t'es un petit bol maintenant. Aïe, aïe, aïe. Let's go le bol. Aïe, trop chouette. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. A priori, à Paris, il pleut demain. Oh non. Ensuite, c'est grand beau. Ok. Si jamais il pleut, il n'y aura peut-être pas de live demain. Oh non, j'espère qu'il va pas. Oh non, je pensais qu'il pleut. Allez-y, vous pouvez pas diminuer un moral qui est déjà à zéro. Oh non, ne dis pas ça, Sam. Non, 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 non. Regarde, regarde comme ils sont beaux, les petits pois, ils sont vivants. Ils sont vivants. En un morceau. Eh. Ça va bien, merci, Kams. Ouais, on pose des anses sur les mugs que j'ai tournés hier. Là, c'est le 10e. Donc il en reste encore 14. Demain il pleut. Vas-y, ça dégoûte. J'attends de les voir courir tout seuls sur la table. Alors écoute, s'ils commencent à courir. S'ils commencent à courir, on se casse tout de suite. Ok? Coucou Neru! Comment tu vas? Merci petit pardon pour ton sub. Merci beaucoup. Tu es désormais un petit pot qui peut bouing. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Yes, let's go le booing. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas booing en plus. Ça fait longtemps que je suis pas allée aux toilettes en live. Ça fait longtemps que vous n'avez pas à booing. Les anciens agréables, c'est vrai. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les anses genre plus rondes ou qu'on la forme un peu traditionnelle où ils font comme ça là, un peu en oreille. Que quand je dois faire une pause pipi, petit pardon, c'est que c'est l'heure de bouing pour tout le chat, donc il faut sortir ces emotes de danse. Les flammes ont changé, je les ai modifiées un peu, j'ai essayé de les améliorer un peu, mais il faut que je rajoute, il faut que je la rechange encore pour ajouter des frames. Parce que vous voyez, mon goal de flamme, c'est. J'avoue, casse-toi! Ok, super, merci Averse! Mon goal de flamme, c'est les flammes d'Averse. Genre là, l'emote de flamme que Averse a faite, c'est mon petit goal un peu. Je préfère Féon, c'est mieux pour mettre toute la main. Oh, c'est gentil. Ben, j'aime bien, du coup, j'aime bien parce qu'elles sont assez grandes. Tu peux mettre toute la main et puis t'arrives en haut. Et coucou, idéal. Comment tu vas? Non, c'est pas l'heure. J'ai pas envie de faire pipi. On dirait une gosse. Non, je veux pas aller aux toilettes. Puis ensuite, tu prends la route. Et au bout de 10 minutes. On peut s'arrêter. Ah ouais, non, elles sont trop belles tes flammes averses. Je vais me motiver, je vais faire d'autres frames. Merci Pline pour l'hydratation. Ça, j'arrive. Ah mais du coup, c'est super, vous voulez me faire boire de l'eau pour que je puisse aller pisser. Ah là là. Comme ça arrivera plus vite. Super! On en est à. C'est la 11e. C'est la 11e, Manon. Ok, d'accord. Une gorgée, deux gorgées.
C'est pour compliquer les flammes juste long. J'ai mis mon âme dedans. C'est vrai. T'as perdu ta joie de vivre en faisant ces flammes. Bah non, avec ton tuto, du coup, c'est pas compliqué. Non, 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 ça réduit pas du tout autant. Ça réduit pas autant, petit pardon. Là, ça, c'est le format, c'était le format, un format petit. Et surtout, en fait, là, comme c'est de la porcelaine, ça va réduire encore différemment. Parce que ça a un plus gros taux de retrait que le grès. Donc j'ai essayé de les faire un peu plus grandes, en espérant que peut-être elles feront la même taille que mes salangrées. J'ai de la terre sur les lunettes. Putain, j'ai de la terre sur... Attendez. Je me disais, c'est bizarre, genre. Il y a une tache. Oui, bah oui, j'ai de la terre sur les lunettes. Non, je me suis trompée, c'était la 10e. Celle-ci, c'est la 11e. Ok, c'est des œils sur la tasse. Oui, c'est les œils de Kaevan. Ça, c'est une des tasses de Kaevan. C'était un des motifs qu'elle avait fait pour la première collection. Et du coup, bah en fait, on n'avait plus de mug. Donc pour moi, elle avait fait un petit mug. J'avais sorti un petit mug sur lequel elle avait fait un des designs que j'ai préféré. Du coup, c'était avec les yeux. Hop, c'est un peu sale, mais hop. On a la signature de Kaevan. Ce sera pas forcément ces motifs qu'on aura, on verra un petit peu. Ce sera en fonction de ce qu'elle a envie de faire. Ça, en vrai, c'était juste pour la couleur, j'étais très indécis. Mais là, en plus, t'as fait la nouvelle, celle, une petite emote de follow, non? Une petite flamme. Elle est jolie, la couleur. Il n'y a pas de coefficient de réduction. Si, 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 si. Il y a le taux de retrait pour savoir à l'avance de combien on doit grossir notre pièce pour avoir le résultat final. Il y a 100% un taux de retrait, mais c'est des calculs à faire, Balchouk, donc je sais pas faire tout ça. Mais il y a un taux de retrait, attends, je peux te dire. Si, si, c'est juste que moi je suis un peu teubée, hein, mais. Il y a un statut. C'est juste que je suis un peu con. Attendez, je vais vous dire. C'est Adèle. Mais justement, quand on doit faire des calculs. C'est 8%. Ouais, voilà le. Je vais regarder combien c'est cette porcelaine. Hip. Porcelaine. C'est la 298. Attendez quoi? Oh putain! Elle était pas à ce prix là. Je crois qu'elle a pris genre presque 20 balles. Là, le taux de retrait, c'est 12,2%. C'est très dur à anticiper. Ouais, j'ai un peu du mal à anticiper dans tous les cas. Attendez, mais j'ai pas pris ce prix là. Ou alors je suis peut-être en train de confondre avec une autre terre. Mais non, je suis pas en train de confondre. Aïe! Je suis pas du tout en train de confondre. Holy shit! C'est énorme! Ma porcelaine, je l'ai payée 2,72€ le kilo déjà, ce qui est énorme. Et là, elle est à 3,49€ le kilo. On va pas refaire de la porcelaine avant un moment.
Pour le moment, je prends les dimensions de la pièce crue et je refais les mêmes dimensions. Oui, je fais exactement ça, hibiscus. Je fais ça. Je prends des dimensions. Et ensuite, ce qui est pas mal aussi parfois, c'est... Bon, moi je l'ai cassé. Mais ça peut aider. Bon, c'est pas au millimètre près. Mais en gros, il va falloir s'appliquer. Ah ouais, ça fait mal. Surtout que j'en ai plus là. J'ai ouvert mon dernier paquet, donc faut que j'en rachète. C'est faire une règle en fait. Donc tu fais ta règle. Tu te fais une bande de terre avec le grès que tu utilises ou n'importe quoi. Et ensuite, avec une règle, tu viens noter. Du coup, là, j'ai noté tous les 5 mm et tous les centimètres. Et en gros, comme ça, ensuite, ça va rétrécir. Donc, avec le taux de retrait. Et ensuite, je peux venir remesurer mes pièces avec ça. Donc, comme j'ai ma pièce finie, là, je sais que, par exemple, en gros, on est à 8,5 cm fini. Donc, ça veut dire que il faut que je le fasse la hauteur à 8,5 pour avoir toujours la même. Donc comme ça on peut calculer un petit peu le taux de retrait avec ces petites règles comme ça qui sont... C'est pas au millimètre près mais c'est assez bien. Ouais Stark, j'avais vu sur le tour que j'ai, moi il a pris 200 € depuis janvier. Et j'avais vu sur mes émaux aussi, mes émaux ont vachement augmenté. Et là du coup j'avais pas vu sur la porcelaine. J'avais plus sur la porcelaine, mais quand même, de passer de 2,72 à genre 3,50, ça fait mal. Coucou Christelle, comment tu vas? Ouais, c'est assez pratique ça pour... genre, il y a des moments où j'ai pas noté, tu vois. Il y a des moments où je suis un peu bête et du coup j'ai pas noté. Donc à la fin, ça me permet de me dire, ah ok, si ça va, ça peut, c'est ça, tu vois, à quelques millimètres près. Mais moi, ça me va, quelques millimètres près. Donc ça me permet de garder un peu en tête. C'est pas propre à la porcelaine. Oui, tout augmente, mais ça fait... J'avais pas vu pour la porcelaine. Enfin, j'avais pas vu sur la porcelaine. Ça fait mal. J'avais vu pour mes émaux et tout. Et là, de la terre... J'ai pas regardé le prix de ma terre. Mais j'en ai encore un bon stock. Je dois encore en avoir un. Je sais pas, j'ai bien 200 kilos. Même peut-être plus, j'en ai peut-être 200-300 kilos encore de ma terre. Et du coup, de la porcelaine, bah là, il m'en reste 10 kilos. Tu rêves le bout, ça colle mieux. Non, pas forcément, c'est que j'ai pas forcément parfaitement mesuré la taille, donc je revérifie comme ça. Et s'il faut, j'enlève un petit peu. Et puis le bout est parfois un petit peu abîmé, donc là, comme ça, il est bien droit quand je le coupe. Donc j'enlève un petit peu pour la taille. Soit à peu près à la bonne dimension et puis pour qu'il soit bien droit. Ça va bien, merci Christelle. Ça va. Ça va faire plaisir là quand je vais recommander. Mais j'ai une amie qui a acheté mon tour, le même tour que moi il n'y a pas longtemps. Et c'est pareil, elle voulait. C'est bon. Elle avait regardé en janvier et moi je l'ai acheté il y a 2 ans et demi maintenant. Mon tour il coûtait 1 450 €. Je l'avais acheté du coup il y a 2 ans et demi. En janvier il était toujours à 1 450 €, ça n'avait pas bougé les prix depuis 2 ans et demi. Et début janvier il est passé à 1 650 direct. Ce qui fait mal quand même. Coucou Flidak, comment tu vas?
Une question sur la cuisson. As-tu un four perso ou fais-tu ça dans un endroit extérieur? J'ai mon four dans mon atelier là. J'ai mon four dans mon atelier. Il est actuellement en train de redescendre en température. Et j'ai mon propre four depuis un an maintenant. Parce que faire cuire dans d'autres à l'extérieur et tout, des fois c'est un peu compliqué pour une prod en tout cas. Il y a quelques ateliers qui louent leur four, mais c'est vrai que c'est un peu difficile à trouver. Et puis ça coûte cher aussi en vrai. Donc comme j'ai un atelier, je suis pas chez moi, c'est mon atelier, mais c'est pas mon lieu de vie, c'est juste mon lieu de travail. J'ai mon four qui va avec. Ah ouais, non, quand tu fais cuire tes pièces, ça fait peur. J'ai une de mes élèves là qui me disait qu'elle avait vu.